La marche rappelle la vocation naturelle de l'homme au mouvement. Un pas, l'un devant l'autre, il se met en route, il va, il avance. Il retrouve l'ardeur des commencements, l'impulsion des nouveaux départs. Contre la paresse, l'égoïsme, la souffrance, la maladie qui accable et contraigne parfois à ne plus bouger, jusqu'à l'arrêt de mort. Dans nos déplacements quotidiens, la marche est désormais supplantée par la voiture et les transports en commun qui nous offrent la possibilité de gagner en vitesse en nous dépensant moins. Pourtant, le goût avéré de nos contemporains pour les randonnées, les pèlerinages ou les simples promenades tend à réhabiliter les vertus et le sens de la marche. La marche est un exercice physique très complet et un temps propice pour délier sa pensée, rêver, se ressourcer. Elle participe d'un éveil sensoriel au monde. Les odeurs, les bruits, la lumière, les couleurs, et d'un retour à l'essentiel qui permet de se désencombrer, de s'alléger des surcharges inutiles et de reprendre son souffle. Il y a une sorte de douceur et d'équilibre dans la marche. On peut marcher longtemps sans fatigue, par tous les temps, toutes les saisons. À chacun son rythme, son endurance. On peut marcher seul, sortir des sentiers battus, se risquer à être soi plutôt que suivre le troupeau. Ou marcher ensemble, faire des choses que l'on ne ferait pas sans l'aide des autres, s'entraîner,
partager la sueur, la gourde et les ampoules. J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe. Non pour m'assurer de l'existence de l'arbre, dont je ne doute pas, mais de la mienne.